est chez mon petit Tech for Fun à AI pour venir le voir si vous avez de l'entretien à faire sur vos motos. C'est ici, donc là on check la fourche parce que j'ai testé la moto, il y a un petit souci quelque part, on sait pas d'où ça vient. Du coup on commence par là et puis je verrai bien si c'est ça ou pas. J'ai fait le montage des carénages là, c'était plus fort que moi les gars, j'ai dû aller essayer la moto. Il y a réellement un problème avec les étriers de frein avant. Je roulais en Angleterre toute la semaine dernière. Du coup j'ai vraiment eu le temps de prendre un peu beaucoup la pluie avec la moto. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que regardez. Donc t'as le premier qui est normalement usé et l'autre qui est totalement rouillé. Voilà. Donc là, il n'y a pas de doute, il y a vraiment un souci avec ces étriers-là. J'ai eu beau les dégripper, j'ai remis. Bah, les plaquettes neuves, ça n'a pas changé grand-chose sur le fait que le piston soit grippé ou non. J'ai pourtant blindé WD-40, j'ai essayé de re-rentrer les pistons, de refreiner pour les faire ressortir. Et le freinage est vraiment horrible. J'ai l'impression de faire des stoppies, les mêmes stoppies qu'à l'époque où j'avais mon CB500. Ça va faire un stoppie, mais par exemple je veux faire un kangourou, oh, c'est là que je me rends compte que c'est carrément pas assez agressif. J'ai pas d'étrier là maintenant sous la main, donc il va falloir sacrifier une donneuse d'organes. Ma petite. Quand il faut hein. Désolée ma petite. Bon là ce que j'espère juste et ce que je ne suis pas sûre du tout, c'est, vous savez, cette petite anthrax là. Ah oui, donc effectivement, les plaquettes ne touchaient même pas le disque, genre les pistons sont totalement renfoncés. Oh mais c'est de chance. Genre là ça me fait gagner un temps mais vous imaginez même pas, j'ai juste à mettre les vis et c'est bon quoi. L'étrier est parfaitement plaqué contre la fourche et ça a l'air de prendre tout le disque quoi, c'est... C'est génial, je suis trop contente. Je suis vraiment en train de faire la grosse technique de la flemme pour passer mes freins. J'ai carrément pris tout le système parce que j'ai pas le temps, j'ai juste envie de tester la moto trop vite, j'ai envie de faire des stoppies trop vite, voilà. Bon bah c'est reparti pour une purge hein. Je vous remonte pas comment on fait parce que là... Bon ça y est les gars, la moto elle est terminée, je peux enfin vous la montrer. Tada. Attendez, je reviens, je vais faire un petit tour là. La moto, elle est trop parfaite, j'en peux plus, j'ai trop envie de l'essayer. Désolé les gars, je vais essayer de le filmer vite fait. On est en Angleterre chez Monsieur Vandal.
merde, c'est un ancien du stunt, putain. J'étais bébé qu'il avait déjà un niveau de malade en 600. Alors je tiens à vous préciser, c'est une des premières fois que j'arrive à faire des stops sur le mouillé, normalement je n'y arrive pas du tout. Ouais, je vais me réchauffer un peu les mains parce que ça pique quand même là. Sur les cons, hein. Et je vais rouler en première, je vais passer à la 2 et vous allez voir comment elle lève en 2, c'est incroyable. Trop bien, oh putain, mais je suis trop contente, franchement, mais cette moto, mais elle est parfaite. Pourquoi elle est si parfaite? J'aurais quand même pu repeindre les cages. Oh, cette flemme. Même là, j'ai fait des traces. Là, c'est tout sale. Tout, en dessous, c'est cassé, il y a un trou. J'en ai marre de ces coques qui cassent de peur. Là, j'ai juste mis mon pied et elle a pété, quoi, sans raison. Ça, c'est pareil. Bon, ça, je peux comprendre parce que je faisais des stoppies en fin et j'ai bougé là. Je pense que je referai une vidéo où on pourra détailler vraiment toute la prépa parce que il y a quelques trucs sur lesquels j'ai pas insisté au niveau de la prépa et je pense que ça pourrait être intéressant aussi avec plus de riding. Franchement, ressenti à chaud, je regrette pas du tout d'avoir opté pour cette option au niveau des tricks. La moto en 2-3 sessions que j'ai fait avec et encore c'était des sessions donc à chaque fois fallait réadapter, refaire des petits modifs. Je suis super déçue quoi, mais c'est d'une légèreté, mais c'est incroyable, c'est un vélo, tu roules 4 heures, tu te fatigues pas. En tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi cette série, j'espère que ça vous a plu. J'ai kiffé franchement être très naturelle devant la caméra, rien prévoir, faire la vidéo au fur et à mesure, la préparation à faire, c'était très simple, c'était juste très long à monter, franchement je vous avoue, j'ai galéré sur le montage. Quand je fais mon petit montage, et ben je prends mon temps. Pour l'instant, mes projets actuels niveau moto, ça s'arrête sur celle-là. La suite, ça va être de la voiture, ça va être du cross, ça va être des trucs que j'ai déjà entamés depuis l'année dernière et sur lesquels je vais encore progresser. Et évidemment, franchement, elle, je peux vous dire, j'ai les petits défauts qu'elle a, franchement elle a pas fini d'en avoir. Elle est en train de me remotiver et ça c'est cool parce que c'est ce qui me manquait un peu en ce moment. Donc voilà, des fois je change une moto, ça fait du bien, rien que pour ça. Vous êtes bientôt 200 000 sur la chaîne YouTube, c'est un truc de ouf quand même. À part vous dire merci, je sais pas quoi vous dire de plus, juste franchement vous êtes parfait. Voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, bye.